Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle vidéo. Je vous présente l'aménagement de ma chambre. Et j'en suis très satisfaite. Alors, je voulais vous faire partager mes petites astuces. En fait, je l'ai décoré dans une ambiance zen et naturelle pour favoriser le sommeil. On est dans une belle chambre, pas trop bariolée, agréable. C'est tout de suite plus facile de s'endormir. J'ai privilégié des teintes douces, donc comme vous pouvez le voir avec la housse de couette grise, la petite couverture gris un petit peu plus soutenue, les petits coussins avec des motifs scandinaves, et puis des petites tables de chevet aussi. Pour le côté naturel, donc bien sûr la couleur verte, donc c'est la couleur vert fumé. Retrouvez le lien vers les produits que j'ai utilisés dans la description. Donc on a la fiche plume, les miroirs en rotin, donc on retrouve ici, puis je vais vous montrer aussi sur un autre pan de mur de la chambre. J'adore ma coiffeuse avec les petits tiroirs. Moi je mets mes bijoux, mes colliers, mes boucles d'oreilles. Donc c'est super pratique le matin, avec donc ce grand miroir juste au-dessus. En fait ce grand miroir, il permet à la fois de se voir assise quand on est donc assise sur le tabouret, et à la fois lorsque l'on est debout. Donc ça c'est super, il est grand. Côté panier, on a aussi un panier tout au bout là-bas où je mets mes affaires en cours, je fais du sport. Comme ça c'est caché, donc c'est pas mal. Donc, les rangements ont été faits ici à partir de caissons. Donc je les ai mis en quinconce et ça permet d'avoir du rangement mais tout en étant léger et ça prend pas le regard en fait dans la pièce. Là je pense qu'on voit plus la coiffeuse et donc du coup ça reste assez discret. Voilà au niveau du côté du lit, donc les petits tapis. J'ai oublié les petits tapis. Donc on a chacun un petit tapis à poil ras ici. Donc orienté vers, quand on rentre dans la pièce en fait, orienté vers la tête de lit. C'est plus sympa plutôt qu'à l'autre sens. Ici en face donc, de notre grande armoire, ici également. Donc un tapis à poil long cette fois, qui est plus agréable peut-être aux pieds, mais qui apporte un peu plus de poussière. Alors moi j'ai pas voulu mettre les poils longs près de ma tête quand je dors. On sait jamais, c'est un petit peu plus de poussière. Donc je vous parlais ici de la grande armoire. Donc c'est celle-ci dans laquelle on met nos vêtements du quotidien. Donc voici le mur avec les trois miroirs en rotin. Donc ils font un rappel avec le mur déjà vert fumé de l'autre côté qui comportait également le miroir en rotin. Retrouvez le lien vers les produits que j'ai utilisés dans la description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur le